Imagine t'as envie de trade avec moi et pourquoi pas passer dans les prochaines vidéos. T'as juste à me rejoindre sur Twitch, c'est dans la description. Je peux aussi faire du ranked, des game abo et aussi des tournois. Alors pense à nous rejoindre, je suis peut-être en live en ce moment. Ou sinon tu follow pour une prochaine fois. Imaginons que tu recherches des items ou des crédits bon marché sur Rocket League. C'est très simple, il faut aller sur Aware.com qui est le sponsor de la chaîne. Et vous pouvez bénéficier de 6% de réduction sur vos achats avec le code RADA. Et bien sûr, tu seras livré en quelques minutes. Du coup les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo trade et vous aimez plutôt ça, alors j'essaie de vous en faire régulièrement. Alors pensez au petit like pour les 100 likes, pensez à vous abonner, à mettre le code créateur, d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord dans la boutique pour me soutenir financièrement, tout simplement. Pour ça, rejoindre le Discord, c'est là où je trade avec vous et je trade avec vous sur Twitch. Bah, tous les trades qu'il y a dans cette vidéo se sont déroulés sur Twitch. Et d'ailleurs, pour vous parler du contenu qu'il y a dans la vidéo, on est tombé sur un arnaqueur. C'était la pire arnaque du monde. Il était ridicule. Enfin bon, je vais pas plus vous spoiler. On a fait des bons trades, des bonnes affaires. Bon, bah, comme dans toutes les vidéos trade. C'est un peu le but d'ailleurs. Mais voilà, on a dépassé les 50 000 crédits. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Et là, on est en train d'augmenter en crédit. C'est un truc de fou. On va bientôt être aux 60 000, je vous le dis les gars. Ça se trouve, ça sera même pour la prochaine vidéo. Enfin bon, je m'avance pas trop, mais j'espère. Enfin bon, merci à tous ceux qui sont sur cette vidéo. Merci encore de me soutenir, ça fait super plaisir. Moi, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour tout le soutien que vous continuez à me donner. Bonne vidéo les gars et à très bientôt. Bah, on se retrouve en fin de vidéo plutôt. Et en échange hexagone volant et polyexplosion, ça fait 300 crédits contre bombe à gravité orange qui vaut au minimum 400 crédits. Ça va être un item assez facile à revendre. En plus, la bombe à gravité est certifiée. On gagne minimum 100 crédits sur ce trade. Et on vend bombe à singularité pour 170 crédits. Ça vaut au minimum 150 crédits et moi je les achète vers 100 crédit. Et on achète popcorn et feu d'artifice pour 200 crédits et ça vaut minimum tous les deux 150 crédits. Et on vend lance-flamme noire pour 250 crédits et il vaut minimum 250 crédits. C'est dur à vendre. Et on échange l'auréole noire contre 450 crédits. L'auréole noire c'est 550 plus feu de bourrasque. L'auréole noire c'est 500 crédits. Du coup on gagne 50 crédits au-dessus du prix minimum. Et on vend la fennec verte et étincelle. La fennec verte c'est 450 et étincelle 150. Du coup on récupère 600 crédits. Et on échange anodisette contre Tora. Ça c'est un plutôt bon trade même si c'est 100 crédits chacun. Et là on vend un item qui est presque invendable pour 50 crédits. C'est le prix minimum. Je suis très content de l'avoir vendu. Et là, on échange anodisette contre 60 crédits et DNCVR et NCI. Bon, c'est plutôt cool. Et anodisette, faut qu'on essaye de s'en débarrasser. Et on vend Venom Rose. Ça aussi, je ne comprends pas pourquoi je l'ai vendu. 40 crédits, c'est le prix minimum. Et on échange l'auréole violette pour 250 crédits. Ça vaut minimum 250 crédits. Et on échange végétation à profusion, citron vert, 60. Et là, c'est la pire technique d'arnaque. Je mets mon octane blanche, il me propose 16 000 crédits, il met plein d'items du Rocket Pass. Il m'a fait perdre 8 minutes, enfin c'est plutôt moi qui lui ai fait perdre 8 minutes, c'était en live. Bon, on a bien rigolé parce qu'il était vraiment débile. Alors là, vous voyez, il a mis les 16 000 crédits, là, il vient de les retirer. Là, c'est en x8, les gars. Alors, dites-vous que ça a duré 8 minutes, c'était horrible. Et le mec super naïf, il mettait des 16 000 crédits, il retirait même des items du Rocket Pass, il essayait de me parler en bas à droite, et là il me faisait what, quand ça bug et tout, enfin, c'est n'importe quoi, et à un moment il a même mis 1600 crédits, du coup je mets la petite octane terre de sienne, comme ça il voit que je me moque de lui, mais bon, ça ne marche pas. Est-ce qu'il a déjà mis les 1600 crédits? Ouais, je crois bien. Bon, les gars, faites attention, mais il était vraiment bête cet arnaqueur. Ah non, c'était maintenant. Et on trade la endo grise et endo momie
Pour 110 crédits, c'est tous les deux au prix minimum. C'est encore des items super durs à trade. Je suis très content de m'en débarrasser, comme tous les items durs à revendre. Et on vend bombe à gravité orange certifié acrobate pour 420 crédits. Ça vaut au minimum 400 crédits. Je crois qu'on l'avait acheté pour les 300 crédits. Minimum 100 crédits de bénéfice pour ce trade. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, elle a pas duré super longtemps, ça a été très dur de trouver des trades pour cette vidéo, je voulais juste vous montrer cet arnaqueur qui était complètement débile. Donc les gars, morale de cette vidéo, continuez à faire attention quand vous faites des échanges, regardez, il y a toujours des gens mal intentionnés, il a essayé de me mettre 1600 crédits, de retirer tous les crédits, et moi après j'ai essayé de l'arnaquer en mettant mon Octane Terre de Sienne, mais ça n'a pas marché bien évidemment. Du coup méfiez-vous, c'était sur RL Trading Post que tout ça s'est passé, donc faites attention quand vous utilisez des applications, que ce soit Discord, RL Trading Post, RL Garage, faites vraiment attention pour vos crédits, pour vos items tout simplement. Et aussi comme je vous ai dit, les trades c'est vraiment de plus en plus dur de les trouver. C'est de plus en plus dur à trade. Même en live, il y a beaucoup moins de gens qui veulent trade. C'est pareil pour Discord. Et c'est même pareil pour l'application RL Trading Post. J'utilise que celle-là. Il y a beaucoup mais beaucoup moins de gens qui trade et donc qui veulent acheter mes items. Et même sur l'application, je ne trouve plus en dessous du prix minimum. Ça sert plus à rien de chercher sur l'application. Donc moi j'achète juste les items aux abonnés, c'est grâce à vous, c'est sur Twitch, même vous, vous pouvez trade entre vous, aussi sur Discord les gars, ne vous en faites pas si vous n'avez pas Twitch, mais voilà les gars, heureusement que vous êtes là, sinon je pense que je ferai presque plus d'échanges, voire même plus du tout, ça serait beaucoup trop dur. Donc tous ceux qui trade encore et qui n'ont pas de chaîne YouTube ou quoi, ou une communauté pour les aider, franchement je vous respecte les gars, faut être vraiment motivé. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo trade, ça vous plaît toujours. Pensez à mettre le petit like, à vous abonner et à mettre le code créateur. Ah d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Et bien sûr, la prochaine vidéo, il y aura plus de trades. Comme j'ai dit, c'était juste pour vous montrer cette technique d'arnaque qui était horrible. Et aussi, les gars, comme vous avez pu voir, on a dépassé les 50 000 crédits. On est à 53 000 en ce moment. C'est juste énorme. Non, 53 000 400 crédits environ, c'est juste énorme et c'est en partie grâce à vous, bon aussi grâce à moi. Et puis voilà les gars, je vais arrêter de vous embêter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ça sera peut-être pas une vidéo trade, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine.